Hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge. Toi, tu dors. C'est bientôt l'anniversaire d'Arthur. Ouais, le petit dernier de la famille. Alors nous retrouvons évidemment notre famille. Ouais, bah dis donc, je sais, y a trop de choses. Dans la maison améliorée, bien sûr, parce que nous avons un étage, parce que nous sommes passés en 1890, puisque Louise est devenue enfant. Entre-temps, Louise, que nous voyons ici, on a toujours le petit Albert, on a le petit Arthur et on a la petite Joséphine qui, je ne sais pas pourquoi, s'est relevée. Je ne sais pas. Elle pue, elle en a marre de puer. Mettre Louise au lit. Minou, tu vas dormir toi, cocotte. Allez, Joséphine. Oh, et tu pues la mort, mais tu iras prendre un bain. Tu vas prendre un bain, allez. Ah non, elle veut pas quoi. Elle me désobéit complètement. Vous voyez, sous mon nez, comme ça, là. Elle me désobéit à faire ah oui. Ah bah, elle do préfère dormir dans le bain. Ça y est. Ah bah, quand même, cocotte. Bon, bah, alors, on avait quitté les derniers épisodes où on essayait de lancer les quatrièmes grossesses. Et. Les deux petites flèches. Joséphine est nouveau enceinte. Après, ça, quatre gosses, c'est quand même pas mal, hein. Je sais qu'à l'époque, ils en faisaient beaucoup. La contraception n'existait pas vraiment. Donc effectivement, on en avait pas mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller jouer. Ah bah oui, elle est en pleine forme. Il est 7h30 du matin, on est dimanche. Il n'y a pas d'école pour la demoiselle. Elle peut jouer tranquillement. Il n'y a pas de souci, Louise. À mon avis aussi, Albert, il va pas tarder à grandir. Encore 3 jours. Oh, ça va, on a le temps. On a le temps de voir aussi à quoi va ressembler Arthur. Donc vous pouvez prendre les paris. À quoi va-t-il ressembler, garçon ou fille, fille ou garçon? Et peut-être un ours. Peut-être, pourquoi pas, hein, Arthur l'ours, vous connaissez. Moi non, et bien tant mieux. Allez. Petite chose aussi à rajouter. J'ai mon ami Martial qui m'a offert le kit lessive juste pour me pourrir la vie. Pour le Decade, donc je vais lui faire plaisir et on va installer, vous voyez, on a déjà tout ce qu'il faut sous notre nez pour le kit lessive. Donc ben, on va mettre le modèle, on va faire quoi? C'est effectivement le panier à linge lessive, le panier à linge en vide d'osier. Non, on va mettre le plus pourri hein, parce que bon, à l'époque, c'est pas non plus ce qu'il y avait de. On n'était pas trop. Là, ça va faire chaud. On va mettre ça là comme ça. On va mettre le petit panier comme ça dans le couloir. On va dire que c'est pas mal. Il y a des choses qui sont mignonnes quand même, hein. Qui peuvent aller. Pourquoi pas? Je sais pas trop à quoi ça sert ce truc-là, mais c'est mignon. Il peut faire office de. On a une assiette qui pue ici. Et surtout, faut mettre l'étendard à linge. La bassine. La bassine, on va la mettre. On va la mettre bleue, la bassine. Allez. Où est-ce qu'on va faire notre lessive? On va faire ça derrière, là, comme ça, à côté de Pierre Nard qui fait ses baignoires, peut-être. On va mettre la bassine ici. C'est quoi ça? Planche à laver. Ouais, en fait, c'est de la déco. Et on va mettre. Voilà, les cordes pour le linge. Comme ça, il y aura tout. On pourra nous pourrir la vie. C'est comme ça. Merci Martial. Je t'adore. Toi-même, tu sais. Voilà, comme ça, Joséphine, elle pourra faire la lessive avec bonheur tout en s'occupant de ménage, des gamins, de leur éducation et de la bouffe. Youpi, je suis ravie. Ouh là là. Nous avons un petit garçon qui est mort de faim. Ouh. Et tu vas prendre ça, mon petit. Vas-y. Les macaronis au fromage. Oui, maman, on va faire sans elle pour l'instant parce que j'ai cru qu'ils allaient se donner la main. Ça aurait été trop chou. Mais pourquoi il pue? Oh, ça va, il est pas hyper sale. Mais il peut pas aller. Il peut pas trop aller dans le. Sur son pot, d'accord. Okay. Ça va aller.
Ah mais arrête de bouger, Albert! Tu peux changer la couche? Ouais, va changer la couche. Ah non, j'ai cliqué sur elle. Oh, je me suis gourée, c'était Louise que je voulais faire. Ce que j'allais dire, elle peut changer la couche à son âge? Lui, la journée. Marcher aux puces, bah non. Comme ça, ils peuvent parler entre eux. On va faire des grimaces. Ah, oui, bah, le téléphone, non, bah, je sais pas qui c'était, c'était un mignon petit gosse. Joséphine élevée. Oh punaise, Joséphine. Oh punaise, Joséphine. Joséphine, Joséphine, va aux toilettes. Prends un bain. Oui, là, t'as le droit. Là, ça va pas. Ça va pas. Oui, va d'abord. Oh, punaise, c'est Arthur qui se réveille. Oh là là. Pierre-Nard, il a pas fini. Et elle rentre là. Putain, mais non, mais sérieusement. Ok. Ok. Pourquoi tu as été là, Louise? Franchement. Ça va pas. Ça va, non, je suis pas d'accord. Elle va prendre un peu son bain parce que là, ça va pas, la pauvre. Ça va pas. On va un peu discuter. Voilà, papa, il va se vanter de ses biens. Il va illuminer sa journée. Il va se renseigner sur l'école. Et est-ce que tu pourrais l'éduquer un peu, ta fille? Aider à satisfaire ses besoins. Je veux dire, apprendre à perdre pardon, au moins ce sera fait. Joséphine, ouais, bah oui, ta fille t'a vu sur les toilettes. Ça existe, ça existe, oui, c'est oui. Moi, le pauvre petit Arthur, là, ça va plus. Ouais, elle a remonté un peu son hygiène, c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Elle veut voir sa maman. Ah là là. Voilà, il se tait au moins, c'est déjà ça. Oh, pauvre Arthur, je pense qu'il a encore... il a faim, je pense. Alors, Joséphine, on sait pas s'occuper de son gosse? Voilà, c'est ce qu'il voulait, il avait faim en plus, le petit. Il y en a un qui pue des fesses. Ah ouais, son hygiène descend vachement. Ouais, mais d'accord, donc... tu vas donner un bain à Albert. Parce que là, il pue. C'est les enfants avant toi, Joséphine. Oh, arrête de nous harceler, toi. Pierre-Nard, lui, il parle un peu à sa fille, il lui apprend des choses. Ensuite, il mangera un truc tout seul comme un grand dans le frigo. Et après, il ira se... Ah! Le jardin. Il t'ira entretenir le jardin. Il y a du taf. Il y a du taf. Oh, le panier à linge, il est déjà rempli de merde, de trucs qui puent, quoi. On a à peine... Ah! Les fringues. Trop drôle. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Ça... Elle est déjà en train de mourir de faim, quoi. Joséphine, ma pauvre. Allez, en plus, t'auras bientôt un autre gamin à charge, un bambin. Ça va être bien sympa, ça aussi. Je vais disparu. Je pense à un de mes jouets préférés. Je n'arrive pas à le trouver. Je commence à manquer. Voilà. Jouer avec un autre jouet. Ok. Voilà, le petit, ça va aller mieux. Maman, elle va manger après. Maman, elle va manger après. Il y avait une assiette qui pue. Elle est partie où là? Qui c'est qui a fait la vaisselle? Oh non, hein. Et après, tire à nettoyer. Contrôle des émotions. Ok, baisse. Non, Pierre-Nard, tu laisses cette assiette. Voilà. Va t'occuper. Du jardin. Maman, Joséphine, elle va manger un coup. Voilà, tu vas complimenter ta fille. Tu vas illuminer sa journée. Au niveau d'éducation. Inciter à.
Parce que elle a besoin de quoi en éducation? Oh là, le contrôle des émotions, ça va pas. Mais tu vas jouer avec émotion avec ton cheval. Voilà. Après, tu mangeras aussi. Comme une grande, dans le frigo, il y a du gâteau au chocolat. Apparemment, tout le monde est à fond sur le gâteau au chocolat. Ah là, Joséphine, ça va aller mieux, tu vois. Tu te requinques un peu. Tu manges, tu feras un peu la vaisselle. Tu seras bien. Tu pourras éventuellement, après, te taper un petit bain tranquille. Hop. Le panier à linge commence déjà à bien se remplir. Là, je lui fais prendre un petit bain. Avec un bain décontractant. Donc comme ça, là, on a bien besoin. Avec son petit masque sur la tête. Bon, c'est pas très d'époque, hein, mais on passera, on oublie, hein, s'il vous plaît. Et après, de toute façon, je suis même pas sûre qu'elle ait le temps de faire un petit somme. Quoique Arthur est en train de dormir, les autres, ils s'occupent. Ouais, tu vois, tu peux pas aller aux toilettes. Hein. Mange un petit bout, t'as raison. Est-ce que t'avais déjà fait tes devoirs? Oui, zut. Bah écoute, tu manges le temps que maman elle sorte du bain. Tu pourras aller ensuite aux toilettes. Ah là, puis elle, ça va se laver et tout, ça va être bien. Et elle va pouvoir faire sa lessive. Fouiller les poches. Bah tant qu'à faire. Faire la lessive. Ah mince, Albert il a faim. Mais Albert, t'as déjà mangé? Oh non, 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 tu vas pas faire de bêtises. On va t'ouvrir le frigo. On va te servir des pâtes là, des jouets, non. Tu vas prendre une portion de spaghetti. Mais il avait déjà mangé un truc tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ah non, Arthur se réveille. On a le temps de rien. Allez, hop. Joséphine, sors de ton bain. Toi, c'est bon. Joséphine! Ah, parce que je l'ai pas fait. On va s'occuper de ton fils. Pendant que demoiselle, elle va aller du coup aux toilettes. Mais elle a pas fini de manger. Elle fait de n'importe quoi. Hein. Tu iras prendre un bain aussi, du coup. Maman. Là, tu t'occupes d'Arthur. Oh. Attention à ce que tu fais, Coco. Hein, Albert? Mais tu vas arranger ça, du coup, parce que j'arrive pas à... Qu'est-ce qui... Ah, il va se resservir! Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gosse? Je suis pas sûre de ce qu'il fait, moi. Oh, elle est en train de faire des pompes dans la chambre. Non, mais... N'importe nawak, hein. Vas-y, tu vas remanger un coup, du coup. Tu vas ranger après. Bah, elle est motivée, là, Joséphine. Hein. Elle va être claquée. Il y a à peine 15h, elle va être claquée, mais... Voilà. Et hop, encore des fringues qui s'en vont dans le panier à linge. Oui, bah, après, tu pourras faire la vaisselle. Tu pourras, du coup, faire les... Fouiller les poches et faire la lessive dans la bassine. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Pierre Nard, lui, il s'occupe du jardin. Il y a du taf, hein. Donc, voilà. Mais ça avance tout doucement. Tout doucement. Compétence 9 jardinage pour Pierre Nard. C'est ouf. Ça avance beaucoup. Ben, je viens de voir que Albert, il va... Il va avoir besoin d'aller au pot, donc elle va lui apprendre. Parce que là, avant qu'il fasse dans sa couche. Ah, bah trop tard. Ok, et ben tant pis, tu vas, voilà. Tu vas quand même aller faire la lessive dans la bassine, parce que là, on est arrivé trop tard pour Albert. Il est cracra. Ah ah. Alors... Ma petite Joséphine va faire sa première lessive. Et c'est donc ma toute première lessive du jeu Les Sims 4. Parce que je n'ai pas encore... je n'avais pas le pack. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser que pour le Decade. Parce que franchement, j'ai pas envie d'aller faire laver les fringues dans mes autres parties. Ça me saoule déjà d'avance. Allez, Joséphine. Bon courage, ma belle. Elle est complètement crevée, elle va s'écrouler dans sa bassine, quoi. Dans le jardin, au choix. Ouf, la pauvre. La pauvre. Il est parti faire quoi, Pierre Nard, là?
Il joue à la poupée avec son fils. Eh ben dis, t'as pas oublié que tu devais faire le jardin ou quoi? Là, il y a des trucs à évoluer, là, Coco. Attends, moi, je sais plus où, qui, quoi. Non, pas là. Faire évoluer. Tu vas tout récolter. Et si tu pouvais nous faire... Parce qu'on va essayer de se faire une deuxième salle de bain, parce que là, on va être beaucoup. Tu vas nous fabriquer un meuble, tu vas nous faire... Donc, un toilette, une autre baignoire. Et tu vas nous refaire la table de salle à manger. Pour commencer. Avec les sièges, parce que on va être beaucoup. Hein. En même temps, on va se refaire les meubles, parce que pour l'instant, on en a tout vendu. Pendant que Joséphine est toujours en train d'astiquer le linge. Et ensuite, on pourra l'étendre. Et là, elle va nous faire une syncope. Hein. Faut qu'elle retourne déjà aux toilettes. Et qu'elle aille absolument dormir. Enfin, il est 19h, donc elle va pouvoir se coucher tôt, en fait, je pense, surtout. Voilà, elle a fini sa lessive. Non, 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 mais tu déconnes. Ah, vider la lessive. Ouais. Prendre et poser le linge. Vider la lessive, accrocher la corde à linge. Sinon, c'était quoi? Mettre au Saint-Chalois, on n'a pas de sèche-linge. Ah oui, allez ma cocotte. Hein. C'est tout humide, c'est tout pout-pout. On va voir nos fringues exposées comme ça. Bon, c'est pas du tout ce qu'on met. Hein. On n'a pas de jaune, nous. Hein. On a encore moins de robe rouge. Hein. Ouais, ok. Eh ben écoute, ma belle, c'est top. On va pouvoir revenir à la maison. Tu vas donc... aller aux toilettes rapidement. Et tu vas me faire une petite sieste parce que... voilà. Alors, elle veut quoi, Louise? Bah oui, mais Louise, elle est un peu... Tu vas jouer avec émotion. Tu vas remonter tes besoins contre les émotions. T'en as besoin, d'ailleurs. Et quand papa aura fabriqué la table, tu pourras mettre la table. Ah bah non, elle pourra pas. Elle n'aura pas le temps de faire une sieste. Il va falloir s'occuper d'Arthur. Oh my god! Au moins, elle va se faire son pipi. Hein, Joséphine? La journée est compliquée, là. Alors, on va annuler. Non, on ne va pas aller se laver les mains, parce que là, on n'a pas le temps. Puis même, tu vas devoir aller faire la vaisselle aussi. Alors, on espère que c'était que la couche. Un petit peu de bercing. Non, c'est toujours pas ça. Non, il a faim. Oh, mais il me gave, hein, ce gars, ça. Arthur devient un bon ami. Bah oui, tu vas bercer Arthur et ensuite tu vas faire une sieste parce que là... T'en as besoin, ma belle, hein, vraiment. Voilà, Arthur va mieux. Pierre Nard avait une envie de pisser fulgurante, donc il a abandonné tout ce qu'il faisait. Et là, la demoiselle, elle va aller faire une petite sieste. Se requinquer un peu. Pierre Nard... Voilà. Il va admirer son nouveau bien, oui. Il va surtout reprendre reprendre toilette. Bah oui, parce que du coup, bah au moins on aura refait les toilettes. On aura deux toilettes qu'on pourra mettre à l'étage. Parce que nous, on aura du coup une maison avec toilette à l'étage. C'est classe quand même, non? Il s'est un peu requinqué. Bernard, ça va mieux, mais il va avoir faim. Donc je sais qu'il y a encore à manger dans le frigo, donc je vais pas refaire faire à mouffer par à Joséphine. Parce que sinon... Elle n'arrêtera jamais, la pauvre. Allez, Pierre Nard, là, fais-nous un toilette. Beau toilette en bois, là, comme tu sais faire. Eh ben voilà, on a déjà les toilettes. Ah, bah attends, tu vas nous refaire... reprendre baignoire. Bah oui, c'est vrai qu'en fait, vous avez pas vu, mais il a tout... ça, tous les sous sont partis, en fait, mais il a rien construit. Donc c'est vrai que du coup, je n'ai qu'à faire reprendre. Donc là, c'est quoi qui nous fait? C'est la baignoire. Bah, c'est bien. Après, il est passivement 22h. La maison est quand même calme. Oh, bah, Albert, il est parti se coucher sans histoire. Ok, et elle va aller se coucher aussi. Mais elle va nous faire chier avec son monstre, je suis sûre.
Par contre, elle a un truc dans la main, je sais pas ce que c'est, mais... C'est pas logique. Oula, il y a un petit bugounet. Ouais. T'es buggée, ma belle. Encore une fois. J'en ai marre d'avoir des Sims buggés, moi. Mais je sens qu'elle va se relever. Ouais. Allez! C'est bien, cocotte. Tu veux venir ici, s'il te plaît? Mais il est à ton cheval, pourquoi tu l'as abandonné? Joséphine, tu vas pouvoir te réveiller. 22 h, allez, il n'est plus l'heure pour faire la sieste. Tu vas pouvoir nettoyer ça. Comme une grande. Voilà. Elle est énergisée de ouf. Est-ce que bébé s'est déclaré? Non, pas encore. Ça ne saurait tarder, parce que c'est dans la nuit précédente qu'il a été conçu. Non, non, mais qu'est-ce que tu pourrais faire du coup, la petite? Tu peux aller aux toilettes aussi après, Louise? Bah ouais, bah c'est cool. Est-ce que le linge, il est sec? Non, pas encore. Ok. C'est bien. Au niveau... Ouais, non, au niveau de tes besoins, à part être fatiguée, tu vas écouter. On va écouter de la musique classique, puisqu'il n'y a que ça. Et tu vas te réchauffer un peu. Voilà, lui, il a terminé sa baignoire. Il va pouvoir venir ici. Tu vas manger, Pierre-Nard. Ça te fera du bien. Tu vas prendre des haricots saucisses, c'est ça? Tu vas pouvoir péter dans le lit, ça va être sympa. Joséphine, tu pourras discuter. Essayer de faire un bébé? Allez! Oh non, mais il est déjà en route, c'est vrai, mais nous on le sait, mais elle l'a pas encore dit, quoi. Complimenter sincèrement. Allez, mange, mon petit Pierre-Nard. Haricots saucisses, ouais. Pourquoi tu te lèves? Mange! Oh là là, quelle perte de temps. Hein. Je vais illuminer sa journée. Il est pas au top, Pierre-Nard. Hein. Elle a déjà encore faim, non mais... Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, tu vas aux toilettes, c'est vrai. Non, non, tu vas mettre au lit ta fille. Tu vas mettre Louise au lit. Alors, tu vas venir ici, Louise aussi. Voilà. Non, mais on s'en fout, te lave pas les mains. La chambre, elle est d'un vide. Dès que Louise est là-haut, on va lui faire demander de vaporiser le monstre sous le lit. Comme ça, ce sera fait. Ouais, elle est toujours buggée, elle. Hein. Ok. Non, mais... Joséphine, je sais, j'ai compris que tu voulais dormir, mais ta fille, elle a besoin de toi. Oh là là. Quelle perte de temps, hein. C'est incroyable. Hein. Non, mais ils vont faire des chassés-croisés pendant combien de temps? Mais ça suffit. Oh là là, est-ce que ça m'énerve. Hein. Vous allez vous décider ou quoi? Allez. Allez, dépêchez-vous. Allez, Pierre-Nard, tu peux te réveiller? Tu sais, tu quoi? Tu vas te laver les mains. Te laver les dents. Ou inversement. Elle va venir là, elle va faire le ménage rapidement.
On va éteindre ça. Oui, mais Pierre Nard, il est obsédé par son lit aujourd'hui. Est-ce que t'aurais pas des petites envies coquines? On va pas faire crac-crac dans le buisson. On va essayer de faire un bébé. Vu qu'il se s'est pas encore déclaré. Qui sait, on aura peut-être des jumeaux, ça pourrait être rigolo. La dernière fois, j'ai cru vraiment qu'on allait avoir des jumeaux, puis on les a pas eus. Allez? Avant qu'il y ait un gosse qui se mette à hurler ou quoi, ou qu'est-ce là? Allez, zouf! On y va. Elle a toujours pas déclaré sa grossesse, donc on est bien. Voilà! Au moins là-dessus, comme d'habitude, moi j'aime bien quitter les épisodes comme ils font crac-crac mes Sims. Comme ça, au moins, ça met de bonne humeur. Moi, c'est là-dessus que je vais donc vous quitter en espérant que cet épisode vous aura plu, que la famille de Saint-Paul vous plaît tout le temps et que le challenge vous plaît toujours. Pour l'instant, bah, Arthur n'a pas vieilli. Vraiment, ça devrait pas tarder, je pense. Hein. Peut-être dans les secondes là. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là pour moi et je vous souhaite un très bonne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber dans les pommes. Elle va dormir! Non, elle va aller dormir. Elle va aller se tomber dans les pommes dans le salon. Je le sens bien. Ouais. Non, mais Joséphine! Tu vas jusque là-bas pour dire que t'es fatiguée. Non, mais je savais. Tu sais, tu fais crac-crac, c'est justement pour. Pour faire le dodo juste en dessous. Ah bah le crac-crac il valait pas le coup. Allez ça y est tout le monde dort. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour votre prochain épisode du DK Challenge. Ou d'un autre en tout cas. Je vous embrasse et à bientôt. Salut.